Histoire pour les oreilles. Il était une fois un loup qui ne voulait pas chasser. Comme personne ne voulait chasser à sa place, le loup n'avait rien à manger. C'était pas plus difficile que ça. Un jour, comme il avait très faim, le loup sortit du bois. Comme il avançait péniblement, parce qu'il avait très faim, il aperçut un homme assis au bord du champ. C'était un agriculteur qui avait passé la matinée à moissonner et qui prenait un peu de repos. Il mangeait son casse-croûte. Un gros morceau de pain tout croustillant. Le loup s'approcha et s'assit en face de lui. « Bon appétit !» lui dit-il. « Merci !» répondit l'autre tranquillement en finissant d'avaler son bout de pain. Le loup se lécha les babines. Dis-moi, que manges-tu là ? Hé, tu vois bien, c'est un morceau de pain. Ça a l'air drôlement bon. Nous autres, les loups, nous n'en mangeons jamais. L'homme coupa une bonne tranche de pain et la tendit au loup. Tiens, goûte. Tu m'en diras des nouvelles. Le loup retroussa délicatement ses babines, puis referma ses dents pointues sur la tartine et la dévora tout entière sans attendre. C'est délicieux, c'est très très bon, c'est excellent. Dis-moi, mon ami l'agriculteur, vous en mangez souvent du pain ? Ah, ça oui ! Dit l'homme, après avoir bu une bonne lampée d'eau fraîche. « Nous, le pain, c'est tous les jours, et même plusieurs fois par jour. » fit le loup. Et il resta un long moment tout pensif à regarder l'homme manger son casse-croûte. « Dis-moi, j'aimerais bien moi aussi manger du pain tous les jours. C'est tellement bon !» C'est très facile. Tu n'as qu'à semer du blé. Le loup était heureux, heureux. Fini la corvée de la chasse tous les jours pour manger. C'est drôlement facile. Une bonne récolte de bon pain et hop, le tour est joué. S'il te plaît, monsieur, apprends-moi à semer le blé. Je ferai tout ce que tu me diras. C'est tout simple, le loup. D'abord, il faut retourner la terre. Et alors, dit le loup tout excité. Le pain se met à pousser ? Oh là, pas si vite ! Répondit l'homme en éclatant de rire. Après le labourage, il faut passer la herse pour aplanir le sol et enlever les mottes de terre. Et après, oui, on peut semer le blé. Ah ! Et c'est là que le pain pousse, répondit le loup en dansant, heureux de savoir tout ça. Miam, 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 ça me donne faim. Pop, 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 oh, que nenni. Là, tu dois attendre plusieurs mois. Comme tu sèmes en automne, après les grandes chaleurs de l'été, il faut que le blé passe l'hiver dans la terre et c'est au printemps qu'il germe et qu'il commence à sortir de terre comme les bourgeons et comme les fleurs. « Ah, j'ai trouvé !» cria le loup. « On mange le pain au printemps !»« Ah non, pas encore. Le blé doit mûrir jusqu'au milieu de l'été. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on le coupe. On en fait des gerbes, comme des petits paquets, et on les rassemble en gros tas, qu'on appelle des meules. » mais le pain, il est où ? Il arrive quand ?» Le loup commençait à montrer des signes d'impatience. C'est là que tout commence, monsieur le loup. Quand les meules ont bien séché au soleil, on rentre le blé dans la grange, on le bat, on le vanne, on le nettoie si tu préfères. On le porte au moulin et là... Le pain, le pain, le pain ! Gémit le loup qui n'en pouvait plus. Oh, tout doux le loup !
Il faut moudre le blé pour en faire de la farine très fine. Et avec la farine, tu fais ton pain. Le loup commençait à baver de faim et d'envie. Une minute, ce n'est pas fini. Pour faire le pain, il faut préparer la pâte, la pétrir pour enlever les grumeaux. Tu rajoutes du levain pour qu'elle gonfle et alors, quand elle est bien levée, tu la fais cuire. Ah, dit le loup. Et alors ? Eh bien voilà, c'est du pain. Le loup resta silencieux et regardait l'homme avec un air désolé. Oh, dommage. Ben quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air triste. Je ne pourrai jamais, c'est bien trop long. Tu n'aurais pas quelque chose de plus facile à faire? Quelque chose à manger tout de suite? Rien du tout, le loup. Nous autres, les hommes, nous n'avons rien sans travailler. Mais si tu ne veux pas de pain, retourne dans les bois et débrouille-toi. Et hop, il tourna les talons et retourna moissonner son champ. Quant au loup, il retourna dans son bois et se mit en chasse pour son dîner, car il avait très faim.